Bonjour à toutes et à tous, c'est Marcin au commentaire et bienvenue dans ce premier épisode du journal de la semaine dédié aux infos des jeux vidéo. Cette série, comme je l'ai dit, sera réalisée chaque fin de semaine et comprendra des infos importantes de la semaine précédente. N'oubliez pas de laisser vos suggestions et vos conseils dans l'espace commentaire. Elles seront très utiles pour améliorer le contenu qui va suivre. Merci à vous tous et bon visionnage. On a eu de nombreuses fuites d'informations à propos du jeu RPG de CD Projekt Red intitulé Cyberpunk 2077. Une source proche du studio affirme que le jeu a une date de sortie et ça sera publié à la fin de l'année 2016. Et aujourd'hui, nous avons une déclaration d'un membre de l'équipe de développement, Adam Kicinski. Adam a souligné que la date du lancement du jeu a déjà été déterminée, qui confirme la validité des fuites qui parlent de son lancement en 2016. Mais l'équipe de développement ne sera pas en mesure de parler à ce sujet tant que le jeu est toujours en développement. Capcom a annoncé que la troisième bêta de Street Fighter V sera lancée la semaine prochaine. Chaque participant à la bêta recevra des codes d'invitation exclusifs à offrir à ses amis, qui n'auraient éventuellement pas eu la chance de faire partie de la bêta. Le réseau Capcom Fighters Network sera également disponible et offrira une multitude de fonctionnalités qui pourraient se révéler plutôt pratiques pour les joueurs. Par contre, il n'y a pas d'infos sur l'identité des persos qui seront disponibles sur cette bêta. La date pour cette troisième bêta est fixée du vendredi 18 au dimanche 20 décembre 2015. Jack l'Éventreur est le prochain DLC annoncé pour Assassin's Creed Syndicate. Il sera disponible le 15 décembre pour PS4, Xbox One et le 22 pour les joueurs PC. On est 20 ans après les événements du jeu où vous jouez le rôle de Heavy Fry et vous devez éliminer le tueur en série Jack l'Éventreur. Jack lures me through the looking glass. It's a Ripper. He's done it again. Shinies est un nouveau jeu développé par le studio français Enigma. Shinies a été financé à l'origine d'une campagne de Kickstarter et a été destiné à sortir sur PC et console. Et même s'il n'a pas réussi à atteindre le montant voulu pour la réalisation sur console, le studio a dit qu'il va terminer les deux copies Xbox One et PS4, mais il n'y aura pas de version Wii U. Le jeu emmène le joueur dans un voyage à travers un univers sur le rebord de l'effondrement. Et il va jouer le rôle de Shadow et 4 de ses amis en voyageant à travers les îles à bord de leur navire volant. Le jeu sortira en 2016. Coming 2016. DICE a publié un nouveau trailer pour le DLC Legacy Operation. Ce nouveau DLC comprendra un remake de la map Dragon Valley de Battlefield 2. Cette map classique réinventée visuellement avec de nouveaux éléments de gameplay disponibles en téléchargement gratuit pour les joueurs Battlefield 4 en décembre 2015 sur PC, PS4, Xbox One. Pendant le tournoi de The King of Iron Fist, Katsuhiro Harada, le réalisateur de la série Tekken, a levé le voile sur le dernier opus de la série, qui va enfin faire son apparition sur les consoles de salon. Et on constate dans ce trailer une évolution remarquable de graphisme, et bien sûr la chose qui nous a tous surpris, l'ajout d'un nouveau perso qui vient directement de la série Street Fighter, qui se nomme Akuma. Et ce qui est intéressant, c'est que Akuma ne sera pas seulement dans un rôle d'invité, mais aura un rôle profond dans l'histoire du jeu. Sega a dévoilé le premier trailer du jeu Yakuza 6 au cours du 10e anniversaire de la série Yakuza qui a eu lieu à Akihabara dans la capitale japonaise Tokyo. Ce premier trailer présente la qualité des graphismes du jeu. Ce Yakuza 6
est le premier titre de la série qui sera développé uniquement sur la génération actuelle. Rappelle que Yakuza 6 sortira l'automne 2016 au Japon exclusivement sur PSK. À la sortie de Yakuza Kiwami le 21 janvier au Japon, le jeu comprendra une version démo de Yakuza 6. Il semble que Nintendo ne va pas abandonner sa ligne de production des appareils mobiles de sitôt. Selon Scott Moffitt, vice-président exécutif des ventes et du marketing chez Nintendo, a déclaré que Nintendo 3DS est encore là. Et ce dernier a discuté de l'engagement de la société envers la 3DS dans une interview avec le Washington Post, et a commenté aussi sur le succès continu de la machine en soulignant que les ventes de la 3DS en 2015 aux États-Unis est en fait supérieure sur le rythme de l'année dernière. C'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager vos pensées et vos suggestions pour améliorer le contenu de la chaîne. Merci à vous tous et à la prochaine.